Bonjour, bonjour, bonsoir à tous. Nous sommes de retour sur la chaîne Dark Hunter. D'ailleurs, le patron est pas là, je me chargerai tout seul. Le décon, j'ai pas fait de vidéo depuis quelques temps parce que je voulais vous laisser profiter du déconfinement. Et puis, qui dit déconfinement, dit ressortir dehors. Qui sortir dehors? Dit sortir dehors. Eh ben, on va explorer des lieux comme ça, la petite la prairie, les landes. Et qui dit landes me fait immédiatement penser à Sherlock Holmes et son enquête la plus noire, le chien des Baskerville. Merci à Waterly d'avoir créé ce jeu en l'an 2010. Bon, c'est un petit jeu qui se joue un peu en point and click comme les Secrets des Abysses ou Dracula Love Kills. Mais j'aime bien moi ces petits jeux. Et je vous propose qu'on découvre ce jeu ensemble parce que c'est là. Parce que j'ai récemment entendu parler de ça, alors j'ai voulu l'avoir. Alors ce sera un jeu qui sera en anglais et sous-titré français, par contre, je ne peux pas modifier. Et voici la salle avec toutes les récompenses possibles. Oh là là, tout ce qu'il va y avoir. Et surtout la principale, c'est ça. Mettez sur pause pour lire, même si je crois que vous vous intéressez pas tant. On va pouvoir commencer ensemble l'enquête la plus noire de Sherlock Holmes. Le chien des Baskerville. Et évidemment, comme c'est la première fois qu'on le fait... On y va! It seems that we have a visitor, Holmes. Indeed. Come in. Hello, Sir Henry Baskerville. Did you have a good trip? But how do you know who I am? I had not announced my visit. By looking at your dress, it is totally unsuited to our wet English weather. This allowed me to deduce that you came here in a hurry and carrying the bare minimum in your luggage. Then there is a blue ink stain on your thumb, the same blue ink used by the passenger service at Waterloo Station to print their tickets. Your ticket has stained your thumb because of the rain. Also, my attention was attracted to your cufflinks with the initials HB, but still I had not yet made the connection with the famous Baskerville family. It is by remembering a Times article that I deduced your identity. It was telling of the odd death of Charles Baskerville and the likely return of his nephew and only heir, Henry. Brilliant! Your reputation is well-deserved, Mr. Holmes. But let me explain the purpose of my visit. I am... You do not believe in legends, and you would like to clear the circumstances of your uncle's death. You need a factual, logical, and rational explanation of what some call the curse of the Baskervilles. And who else, in all modesty, but Sherlock Holmes and his faithful friend Dr. Watson would be able to solve such a mystery? Watson, my friend, pack your bags. We're leaving for Baskerville Hall. Eh ben voilà, tell us about the curse of the Baskervilles, Henry. Its origin dates back to my ancestor, Hugo Baskerville. It is said he was a vile person who earned the wrath of the devil. After his death, all our ancestors seemed to come to bad ends at Baskerville Hall. At the scene of each death, there were always dog or wolf tracks, but gigantic. Thus, over the centuries, a legend was built, that of a creature from hell, the Hound of the Baskervilles. My uncle was sure that it was a reality. He was convinced that the beast would take him sooner or later, as it took all those our lineage. With his last letter, he sent me this medallion. According to Charles, it was needed to break the curse of the Baskervilles, but he did not know how to use it. Do you believe in this legend, Mr. Holmes? We'll have to exhaust all other hypotheses before falling back on that one. Baskerville Hall in sight. Intéressant. Holmes, Doctor, welcome to Baskerville Hall. The servants are not here to welcome us, I fear. They were severely affected by the death of my uncle and have since retired. Ah, il faut que je clique sur suivant. The family portraits gallery, I assume. But why such expressions on their faces? These pictures have not always been so disturbing. According to my uncle, the changes in the paintings occurred after the violent death of the portrayed Baskerville. It appears to be one of the effects of the curse. Et la statue des chiens aussi, ça arrange pas. Have you noticed? The family coats of arms under the pictures are missing.
Indeed, it is an interesting point to begin our investigation. Where can these coats of arms be, and why did they disappear? Toujours si pertinent. Je profite de cette pause pour dire que ça change radicalement de l'enquête originale. J'ai eu la série, je me suis renseigné sur le livre, j'ai eu différentes versions qui sont sorties au fil du temps, mais normalement Sherlock Holmes ne se présente pas directement là. Il reste à Londres. Let's try to find them. I cannot stay here any longer. The sight of those ghastly faces is unbearable. Bah oui, ça fait partie du succès. T'es condamné avec des planches de brillant, ils ont envie de rentrer. Fragment de blason. Ah d'accord. Carado. Et chasseur sans doute un des meilleurs du pays. Cher mon oncle, il m'est difficile de voir son portrait aussi détérioré. J'ai peur. Aimée d'Escarville était la fille de Charles. Elle mourut 15 ans avant son père. Le pauvre homme ne se remit jamais de cette théorie. Ah bah dis donc, artistique, hein. Elle se peignait elle-même. Alors du coup, il vit et passe la plupart de sa vie en mer. C'est un grand navigateur. Ouais. Il était la fille de Roger. Elle accompagne dans ses voyages pour étudier la nature des insectes. Elle était entomologiste. Il dit... Et là, c'est... Il était médecin chirurgien vétérinaire. Il mourut en 1777. Et Louise Astori est une artiste talentueuse dotée d'une imagination fertile et d'un nom pour le théâtre. La pauvre femme est morte très jeune, à l'âge de 26 ans. Ah bah dis donc. D'ailleurs. Ah, fallait prendre. Morceau de la serrure de Roger. Ah, changement de décor. Il est censé être l'origine de la malédiction. Holmes, t'es très perspicace. Je l'adore, c'est mon enquêteur préféré. C'est même pour ça. Hein? Vous pouvez zoomer à certains zones, examiner toutes les zones pour trouver. Déplacer les carreaux pour que les connexions soient effectives. Ah d'accord. Faut vraiment trouver les bons emplacements. Lag. Et voilà. Oh génial. Tiens, un succès, vous avez résolu cette énigme en moins d'une minute. Super, vous avez... Oh, c'est super. Je viens d'avoir un succès sans moi. Sir Roger Baskerville is certainly one of the most famous hunters in all of Great Britain. C'est moi, il y a les animaux qui nous regardent. Indeed, Dr. Watson, my grandfather spent a large part of his life traveling the colonies of the Empire to stalk the largest predators in the world. Let us try to learn more about the tragic death of Sir Roger Baskerville. Such a distinguished hunter could not possibly have been killed by a simple dog. Ça, c'est sûr. Oh! Oula, je me scare. On a du cristal. Vibrer légèrement. Morceau d'arbalète. Livre des Baskerville. Et avec la carte du manoir utilisée pour vous rendre un endroit ou un autre. Ah, génial, là c'est là où on est. Il y a des tâches à effectuer ici, d'accord. Tu vois la récompense. Pas mal ça. Alors.
Je vais ouvrir ces rideaux et pour laisser entrer la lumière éclair. C'est du whisky, quel gâchis. On trouve des morceaux de papier. Non mais regardez, ils ouvrent les yeux là, c'est pas normal. Bon, un rideau. Ah bah tiens donc. C'était un chien. Sinon, vous cachez, vous pouvez trouver des objets utiles pour votre enquête. Alors, voyons ça. Prête une pouce. Ah bah c'était juste. Non, c'est pas ça. Alors, chien, bougie, chaîne. Jumelles, arc, un crâne d'animal, un crochet, une pince, un piège à loup, les fameux objets cachés. Ah, un succès, classique. Un queue de renard. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut d'autre ? Si vous trouvez cet objet, vous me le dites, hein. La tête de chevaux. Un cheval. Pince. Piège à loup, je sais pas pourquoi c'est. Gant. Un crochet. Ensuite, il nous faut des jumelles, un poignet. Ah ben, c'était pas ça. Par contre, les jumelles sont là. Une photo sur une autre, c'est d'une logique. Et maintenant, faut le poignard. Il est où le poignard? Ah, bah, il était là. Et tout ça pour une bonne ville. Hein. Ah, j'ai eu deux succès d'un coup. Et nous essayons de le cacher en faisant moins de 10 mauvais clics. Bien joué, vous avez reçu. Toutes les récompenses sont affichées ici. Et voilà. Alors, on va retrouver 3 objets en 3 secondes. De 10 mauvais clics. Eh ben comme quoi c'est utile hein. Bon, et maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? Une corne. N'est-ce pas étrange, ce loup est privé de ses yeux, what's... évidemment, Stéphane. L'œil de Christophe semble réagir. Il brille. Seulement oui, il manque un œil. D'huile. C'est mis un levier dans une cheminée. Nous devons d'abord éteindre ce feu. Bon, bah alors là, on va être chargé pour savoir comment faire. En effet, il y a un passage secret, explorons-le rapidement. A unicorn, a dragon, a werewolf? I can't believe my eyes! Eh ben! Don't let appearances fool you, Henry. Dr. Watson is right. It is unlikely that these fantastic animals ever existed. It is, rather, a matter of a remarkable job of taxidermy. Eh ben... Prochainement, que donnez-vous un carreau d'arbalète pour décrocher cet animal? Carreau d'arbalète, très drôle. Les cornes, mais n'importe qui chevronné peut fixer les dents. Un fragment de blason. Ouais, notre truc c'est de retrouver mais tous les blasons.
Eh ben, peine. Pourtant, la carte va être très grande. Ah, et les fameuses landes dans lesquelles il y a les marées où il faut pas mettre les pieds. Ah bah oui. Une corne ici. Vous avez trouvé les yeux, Crystal, vous voulez retourner immédiatement à la chambre de Roger? Non, pas tout de suite. Je vais voir s'il n'y a pas d'abord d'autres choses. Bien tracé. Du lierre. En prêtant attention, vous verrez une sorte de fresque sur le mur. Difficile à voir. Et voilà. Encore un jeu. Ah, je sais ce que c'est. Il faut trouver. Trouver la bonne image. En espérant que je ne me trompe pas. Je crois que c'est ça. Ah, ça c'est déjà bon. Ah bah très bien. Mais vous avez résolu une clé d'un cadenas. Et un fragment de blason. Hein? Comme quoi ça servait, hein? Et voilà. Et les yeux sont... Ah, ressentez cette énergie. C'est comme si quelque chose venait de changer dans cette pièce. What happened? Where are we? Qu'est-ce que c'est? I believe the correct question is rather when are we? Oh, génial. What do you mean? Oh, look at these traces of struggle. Look at the shape of the room, its decoration. Everything appears as if Sir Roger was just killed. Smell the air. The odors of gunpowder and blood are still fresh. You don't really think that we went back in time, do you? Normally, I would reply no and laugh at your naivety. But for now, I'd rather not say anything. I do not know how or why, but it seems that we have stepped back to a few minutes after the death of Sir Roger. There is always an explanation. Be patient. Oh, génial. Look at this copy of the Times. It's almost 90 years old. Either it is perfectly kept, or we are really at the beginning of the century. Eh ben, je crois que la réponse est évidente. Ils ont un sacré système de conservation des journaux à l'époque. Maintenant un carreau, ça c'est pour retourner. Oh, un fragment de blason, j'avais pas vu. Il en manque un. Mais il est tressé. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, encore une scène d'objets cachés. Ah bah oui, tiens, on va quand même faire durer le plaisir. Nature, petit oiseau, crâne d'oiseau, taille, canne, tire-bouchon, lampe, verre, cognac, chapeau, chaussures. Inspire, trophée, flèche. Évidemment, c'est pour la flèche qu'on est là. Oh, mais j'ai la souris qui glisse, là. Je viens de faire plein de clics, mauvais clics. Là, faut vraiment que j'y aille mollo. Pierre. Et la flèche. Ensuite. C'est pas ça? Ceinture. Ceinture. Oh, en plus ça fera un peu de rangement. Hein. Lampe. Ah ben, la canne.
cheval. Le couteau. La chaussure. Et maintenant il manque le petit oiseau. Et il est où le petit oiseau? Ça va pas être compliqué de trouver un petit oiseau quand même. Ah ben si, il est là. Ouais, l'armée est prête à être utilisée. Et ben on va en profiter pour regarder. Putain, sans être... C'est par cette fenêtre. Morceau de schéma. Nous avons trouvé tous les morceaux de schéma, ils pourraient nous aider à mieux comprendre la malédiction. Oui, mais on est dans le temps alors. On peut pas faire grand chose là. Voyons voir ce que ça donne. Heureusement que le morceau de blason est intact. Et voilà. We have all the pieces of the coat of arms of Sir Roger Baskerville. Let's go to his portrait. Non, pas tout de suite. Chose à faire dans le coin. Oh, tiens donc. Ah ben, je pouvais juste éponger, mais bon. Vous pouvez maintenant lever la malédiction du prenement de la malédiction. Je sens que ça va être un peu intéressant. Voyons voir ça. The painting seems to be regaining its original colors, as if the curse was lifted. Et il y a un truc qui est apparu sur le tableau. Holmes, Watson, look! By inserting the arms, we've triggered a mechanism, a secret cache. There's something inside. The diameter of this jewel seems to perfectly match the empty slot on the medallion. I think Sir Roger has given us an important element for our investigation. Look, there's a note in the back of the jewel. Physical power and brute force. Amazing! The medallion seems to react to the presence of the jewel. It vibrates. Let us try to use it. Perhaps on the boards that block the door to Louisa's room. Attends, c'est comme dans Dracula, avec Dracula. Mais je suis qui s'en sert, il permet de briser les objets. Sérieux? Vous avez terminé direct à celle. Super génial. Donc, on a un truc de force. Et ils l'ont dit sur les planches. Eh ben, dans ce cas. Indeed, it seems that the powers of this locket give us interesting perspectives. Powers? Dear friend, let's not sink into superstition. Si tu le dis. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, d'accord, j'ai compris. Il manque 5 éléments. Et là, c'est la porte de Louisa. Eh ben, on le fera la prochaine fois. On a eu le droit de le faire avec... avec notre cher portrait de Roger Baskerville. Bien, on va s'arrêter et faire pour la prochaine fois, d'accord? Un membre à la famille par jour, hein, ça ira très bien. Ouais, l'enquête prend une tournure plus naturelle que prévu. Je crois que ça va devenir intéressant. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé ces déductions. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas rater la suite de l'enquête. Et laissez des commentaires sur les réseaux sociaux si vous avez quelques commentaires à dire là-dessus. Sur ce, au revoir. Et à la prochaine pour le prochain membre de la famille.